je dessine mes rêves, mes envies, mes questions, les enjeux qui m'inquiètent et que j'essaie de faire découvrir, que je fais partager. Et en fait, chaque tableau est le début d'un projet. Ce tableau-là, c'est le nuancier de l'exposition. Le nuancier, en général, c'est l'idée de ce qui se passe, les grands thèmes de mon travail, en fait. Je fais le nuancier, c'est le tableau qui est posé, et hop, les nuanciers ne sont pas du tout organisés au départ. Ils vont construire comme un arbre. Enfin, tous les tableaux se répondent les uns les autres. Ça, c'est de la peinture à l'huile. Tout est en peinture à l'huile, avec des fusains, un peu de fusains au départ, pas toujours. Et puis après, je vernis ça, et on va vernir une partie de ce tableau. Habiter la forêt, parce que c'était une phrase aussi pour imaginer qu'on retourne à la forêt avec ce moment de confinement, comme ça, un truc. Mais en fait, l'idée de la forêt ou de la nature qui grandit toute seule, ça existe déjà en ville, en fait. Il y a plein d'endroits où la nature pousse toute seule, où il y a des sortes de friches qui se mettent en place. Cette forêt, évidemment, elle se transforme, elle évolue. On y revient, il y a toujours une sorte d'échange comme ça. Mais en fait, je me dis, peut-être qu'il faut revoir comment pousse la forêt pour reconstruire les villes. Dans la nature, dans les forêts, tout ça, les rythmes se font et tout ça, puis il y a des accidents. Les accidents font que ça évolue, que ça se déplace, que la vie pousse, tout ça. Et en fait, un des accidents que j'aime beaucoup, c'est les flaques. Les flaques comme ça, dans lesquelles se posent des choses. J'ai voulu mouler des flaques, parce que je pense que la flaque, c'est aussi l'endroit où on a de l'eau, on peut manger et tout ça. Donc j'ai imaginé des céramiques avec de la terre de chez moi qui font des flaques. Ça, j'adore aussi. J'ai un de 7 ateliers et je dessine, puis j'en ai en plus un à Paris. Donc je dessine, je passe de l'un à l'autre et puis en fait les choses se nourrissent. D'ailleurs c'est pour ça que je ne peux pas vous parler d'un seul tableau, je suis obligé de parler de plus. Même si les tableaux sont très concentrés là cette fois-ci, mais ils sont très en même temps, ils se toquent, ça se répond les uns sur les autres. Ça se... voilà. Voilà.